Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing, achat, craquage, Vinted. Et oui, je trouve des pépites en ce moment sur Vinted, niveau diamond painting. Et donc, je ne résiste pas et j'ai choisi cette pépite-là. Voilà, Night Garden de chez Diamond Art Club et elle est en diamant rond. Voilà. J'adore Jeremiah Kattner. J'en ai déjà fait une de cet artiste. Et j'adore cette petite série d'animaux. Donc là, c'est un chat bleu foncé. Je sais qu'il y a un chat un petit peu multicolore. Il y a même toute une panoplie de chats dans le même esprit. Il y a aussi une chouette qui est dans le même esprit. Et il y a une espèce de petit renard tout blanc là avec des cristaux et j'adore aussi. Donc j'espère me les procurer un jour. Voilà, donc revenons à cette toile que j'ai eue sur Vinted. Qui n'est plus en vente, je crois pas. Je crois qu'elle n'est plus en vente sur Diamond Art Club, celle-ci. Et donc, la voici, la voilà. Hop. Elle est franchement canon. Puis alors, ça va être des gros blocs. Ça va être une toile bonbon. Moi, je vous le dis. Colle coulée, ça colle super bien. 34 couleurs, elle n'a pas beaucoup de couleurs celle-ci. Et donc, petite étiquette pour mettre dans mon cahier de suivi. Elle fait 56x71. Voilà, vous avez également une feuille de route entièrement autocollante. Vous voyez l'illustration ici. Vous pouvez mettre la date de début, la date de fin. Il y a 34 couleurs, comme je disais, tout. Individuellement les petites étiquettes individuelles, là vous en avez d'autres que vous pouvez garder. Voilà, vous voyez les symboles, ils sont entourés pour dire que c'est du rond. Diamond Art Club, les DMC en dessous de 150, ce sont des diamants AB, donc là vous en avez deux. Voilà, mais revenons à la toile. Elle est toute douce, mais c'est vraiment une peau de pêche, hein. C'est vraiment très très doux. Elle est dentelée, surpiquée, colle coulée. En haut, vous avez leur slogan. En bas, leurs réseaux sociaux. En bas à gauche, vous avez l'illustration en miniature. Vous avez la référence de la toile, le titre de l'image, la dimension et du coup donc Diamond Art Club, c'est la boutique et le nom de l'artiste. Voilà, en dessous vous avez pour dire si vous avez un problème, vous avez une protection à vie sur les diamants, donc si vous en manque, n'hésitez pas à contacter le support de Diamond Art Club. J'ai un lien de parrainage pour la boutique Diamond Art Club qui vous procure moins 10$ pour toute première commande. Si vous avez déjà commandé chez Diamond Art Club, ben ça marche pas. C'est que pour toutes les premières commandes, ça vous procure moins 10$ sur votre panier. Donc je vous mets tout en description. Comme d'habitude, voilà, donc on va zoomer un petit peu. Cette toile est assez bloc. Diamond Art Club. Les ronds, vous avez une petite aide à la pose, mais ça couvre bien, le diamant couvre bien les symboles. Les symboles sont très très bien imprimés, très clairs. Et ce sont des lignes et des blocs. Conversion Diamond Art Club, voilà. Diamond Art Club, c'est une conversion au top, voilà. C'est une conversion très spécifique, vous ne verrez jamais de confetti chez Diamond Art Club. Je vous passe un peu plus rapidement. Voilà. Comme d'habitude, je vous montre à peu près toute la toile. Comme ça, vous voyez si ça vous convient. La toile, elle est pailletée, je ne vous ai pas dit, mais
Voilà. La plupart des toiles sont pailletées déjà, donc ce n'est pas une grande nouveauté. Hop, voilà. Ensuite, les diamants sont en résine chez Diamond Art Club. Alors, peut-être pas ces ronds-là, parce que c'est une ancienne toile. Mais maintenant, même les ronds chez Diamond Art Club sont en résine. Non, là, c'est de l'acrylique. Là, c'était l'époque où c'était de l'acrylique. Voici les couleurs. Alors, ce sont des sachets ribambelles chez Diamond Art Club. Ils sont indiqués avec la référence de la toile et le titre. Je vais vous montrer les AB. Donc, il y en a un rouge et un bleu. Le rose, il est ici. Voilà, donc il y en a très peu. Et le bleu. Je cherche. Je n'arrive pas à le trouver. Donc je vais vous mettre sur pause et je cherche. J'ai trouvé ce petit coquin, il était caché. Il est là. Voilà, c'est un bleu foncé. Il y en a un petit peu plus. Je ne voulais pas trop déranger ceci. Parce que je ne vais pas lui la faire tout de suite. Hein. J'ai d'autres projets pour cette année. Voilà, et sachez qu'il y a ce genre de couleurs. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, on va voir le rose. Il n'y en a pas beaucoup. C'est la numéro 1. En fait, vous avez ce contour-là. Ici, qui est en AB. Vous avez le tour du centre de la fleur ici. Pareil ici. Et là, en fait, ce qui fait le contour du nuage, là, c'est du AB. Pareil dans le centre de cette fleur, on dirait des narcisses, des jonquilles. On dirait des jonquilles, mais c'est pas trop jonquille non plus. Donc là, c'est le tour. Y en a pas dans celle-là, il y en a pas dans celle-là, il y en a dans celle-ci. Et là, c'est le tour. Là, c'est vraiment tout le centre. Et là, c'est le contour. Donc, voilà pour le rose. Voilà. Et le bleu, c'est le numéro 2. Ah, ici, dans sa petite... dans l'ombre de son petit foulard qu'il a autour du cou, donc tout ici, c'est en AB. AB, c'est aurore boréale, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est une petite couche de surbrillance que je vous avais pu voir quand je vous l'ai montré. C'est tout. C'est tout. Apparemment. À moins qu'il y ait dans le fond. Non, il n'y en a pas dans le fond. Non, c'est que là. Bon, bah, c'est que là. Que ici. Voilà. Donc, à voir si j'en mettrai pas ailleurs. Dans les fleurs, peut-être des jaunes ou des orangés. Je vais voir ce que j'ai en stock et je vais voir si j'en mets pas en substitution sur. Les fleurs, pourquoi pas? Parce que les fleurs, en fait, elles auront juste le centre. Donc, je pense que je mettrai sur les traits des pétales, là. Faut que je regarde ce que c'est, le C. Le C, c'est quoi, la DMC? C'est la 3830. Donc, je verrai si j'ai pas un orange qui pourrait convenir. Voilà. Voilà pour cet unboxing achat craquage Vinted. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette toile et de cette petite collection de Jeremiah Kettner. Peut-être que vous-même vous l'avez. Dites-moi si vous l'avez faite aussi, parce que ça fait un
bon moment qu'elle est sortie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous mes craquages et toutes mes avancées et toutes mes toiles terminées. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.